Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai failli dire ce matin, mais on n'est plus trop le matin. Il est midi là en fait et nous sommes jeudi 30 juillet. Et je suis contente de vous retrouver. Là, j'ai fait du montage ce matin et là, la vidéo est en train de charger sur YouTube. Donc avant, j'étais à des heures précises, hein. Généralement c'était midi. Maintenant, il n'y a plus tout ça. La vidéo, elle sort entre midi, 14, 15h. Bon, dans ces eaux-là, là, on va dire, mais c'est vrai que c'est assez large. Et du coup, là, je vais commencer à m'occuper de moi. Je m'étais attachée les cheveux, même si en ce moment, je me dis vraiment qu'il faut que j'évite. Vu que je perds beaucoup de cheveux, je pense que les attacher tout le temps, ça n'aide pas non plus. Ça doit tirer, à mon avis, sur les racines. Mais le problème aussi, c'est que mes cheveux là, ils graissent en 2 jours, un jour. Un jour, c'est la cata, et là, bah, ils ont déjà commencé à graisser. Et quand ils sont gras, j'aime pas vraiment les laisser détacher. Je vais vous prendre avec moi pour faire mes petits soins. Alors, déjà, dans un premier temps, je me suis lavé le visage avec un savon Les Danaises. Maintenant, je vais venir utiliser cette eau de rose. Donc, celle-ci, celle de Christian Lénard. Mais on m'a conseillé d'en utiliser une autre. Donc, vu que maintenant j'ai déjà celle-ci, je vais la terminer et après, je testerai une autre. Parce qu'apparemment, il y en aurait des meilleurs niveau compo. Même si celle-ci est quand même pas mal. Donc voilà, je vais la terminer. Donc c'est la première chose que je fais et en fait je l'ai laissé au frais, donc il reste au frigo. C'est archi rafraîchissant, c'est vraiment agréable. Alors je vais vous dire un petit peu le programme. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on aille faire nos courses. J'ai déjà fait ma liste. Là, Ali est en train de préparer vite fait un petit truc pour déjeuner. Et après, on sortira faire les courses et je vous ferai probablement un retour de course dans cette vidéo. Je ne sais pas si on va faire un seul endroit ou si on va en faire plusieurs parce que il arrive que parfois on fasse plusieurs magasins, genre Carrefour, Marché Frais, H-Market ou des trucs comme ça. Donc je ne sais pas encore ce qu'on fera. On verra, il fait hyper beau, donc je vais juste ne pas rentrer trop tard pour que les filles puissent profiter de la piscine. Alors ce matin, Heidi s'est réveillée, il a pété un câble, il en avait marre, je crois, de tout ça. Et je crois qu'il les voit, lui, les microbes. Et vu que je suis malade, il est en train de désinfecter toute la maison. Là, il nous a enlevé les draps, etc. Il est en train de désinfecter toute la maison, il a nettoyé les toilettes, salle de bain, la javel. Enfin, il est vraiment en train de péter un câble. Il est vraiment en train de skiser. Toutes les fenêtres de l'appartement sont ouvertes. Ça me fait rire, hein, mais il a trop peur d'être malade. Et du coup, voilà. Ensuite, là, je vais venir utiliser un petit sérum. Donc, ils disent hydratant, régénérant, etc. La marque, c'est Iso Paris. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs produits. Et là, la gamme, c'est Pomelato. Donc, c'est aux extraits de pamplemousse. Ça se présente comme ça. C'est un produit que j'ai reçu maintenant il y a plusieurs mois. Mais j'étais en train déjà de tester d'autres produits. Du coup, c'est que maintenant que je commence à l'utiliser. Donc voilà, alors demain, Inch'Allah, c'est l'Aïd. J'espère que vous allez passer un bon moment, bah, à l'heure où vous regardez cette vidéo, a priori, bah, ce sera l'Aïd. Déjà, la vidéo, elle va sortir le jour de l'Aïd. Donc je vous souhaite vraiment une bonne fête. J'espère que vous allez pouvoir profiter de vos proches, de votre entourage, de vos familles, de vos amis. Et que tout se passe pour le mieux pour vous. Là, pour moi, du coup, c'est la veille de l'Aïd. On va rien faire de particulier cette année. On va aller déjeuner avec ma belle famille, histoire juste qu'on soit tous ensemble. Et ensuite, on ira dîner chez ma mère. Mais on ne fait vraiment rien de particulier. Ça me va très bien et je ne me sentais pas de faire quelque chose de plus non plus. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai tout le temps envie d'être dehors parce que quand je suis à la maison, j'ai l'impression que... Quand je suis dehors, ça va, mais j'ai l'impression qu'à la maison, il n'y a rien qui va. Alors, je repense à tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne va pas, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de sortir tout le temps. Et pourtant, je suis épuisée physiquement, je ne suis pas. Mon corps ne suit pas, mais j'arrive plus à rester à la maison. Ça m'oppresse carrément, donc bref, voilà. Alors, une fois que j'ai mis ce sérum, je vais terminer mes soins avec mon baume Olé d'Anès. Franchement, je l'aime trop, je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. Donc, la marque, c'est Oléanate. Le produit est excellent. Pour moi, ce produit, il est révolutionnaire. Et comme je vous disais, vous pouvez le retrouver soit en magasin comme Biocop, soit dans d'autres boutiques en ligne. Mais dans tous les cas, je vous mets leur Instagram une fois de plus en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que vous avez tout ce qu'ils ont déjà et vous avez également les nouveautés. Vous saurez quand ça sort, etc. Et puis, si jamais vraiment vous avez des questions, c'est des personnes qui sont quand même très réactives. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup leurs produits. Et je les utilise depuis que je les ai reçus et j'en suis vraiment trop trop contente.
Donc, une fois que ça c'est fait, bah, franchement, c'est terminé pour ma préparation. En ce moment, j'ai pas envie de me maquiller. Surtout quand il fait chaud comme ça, se maquiller la peau, c'est relou. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. À part si vraiment j'ai un truc à faire ou quoi, mais autrement, c'est vrai que j'aime pas. Donc, bref, écoutez, voilà, je vais vous prendre avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti. Bon, là, je vous retrouve. On est arrivé dans une petite zone commerciale. On va faire un tour à Action d'abord. Donc, en fait, vu que demain ça aide, on aurait aimé prendre un petit truc pour ma nièce. On a déjà trouvé un petit truc pour mon neveu, mais prendre un petit truc pour ma nièce. Et ensuite, on va aller au marché frais. Ce qu'on se disait avec Alice, c'est que là, entre chaque magasin, il va falloir qu'on rentre à la maison déposer ce qui est frais, puisqu'il fait 32 degrés et que je pense que bah, tout ce qui est au frais, ça va pas tenir. Donc, il va falloir qu'on fasse ça à chaque fois. Mais après, en soi, c'est pas trop loin, donc c'est pas bien grave. Puis écoutez, voilà, ça nous a quand même fait du bien de sortir, même s'il fait excessivement chaud. Là, je suis en train de me dire si j'avais un jardin, mais je ferais une grande piscine, une très grande piscine. Que des jeux d'eau et tout, ça aurait été trop bien. Mais pour l'instant, nous en sommes pas là. Nous en sommes pas là. On va quand même regarder si on trouve une piscine un petit peu plus grande qui rentrerait dans la terrasse. On n'a pas mesuré, mais Ali m'a dit qu'il avait 1 mètre dans les yeux. Donc, a priori, on devrait prendre un truc un peu plus grand. En tout cas, j'espère, parce que j'aimerais bien pouvoir faire trempette aussi. Et demain, il fait encore plus chaud et tout. Oh là là. C'est parti, si jamais je trouve quelque chose, de toute façon je vous montre. Il y a trop de trucs sympas pour pique-niquer, etc. Je sais que ma belle-sœur elle cherche un truc en plastique, genre un coffret, mais là il n'y a pas d'ensemble. En fait tout est individuel. C'est dommage, ils sont plus faire des genres de kits. Mais en soi ici c'est trop bien parce que déjà il n'y a pas grand monde. Et en plus il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas dans l'action qui est à côté de chez nous. Regardez, c'est ça que je vous disais, les fils que j'utilise, c'est 7 adoucissants, donc 99 centimes, il est vraiment beau. Celui-là, j'aime pas trop la senteur, mais par contre, celui-là, de ouf. En nettoyant tapis, oh, c'est intéressant ça. Je vais tester. 1,39€ le nettoyant pour tapis. Je pense qu'il faut en mettre sur le tapis et aspirer par la suite, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et puis, écoutez, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut de la lessive. Je sais pas si je vais la prendre ici ou si je vais la prendre ailleurs. Bon, on est dans le rayon jeu. On est dans le rayon jeu et on cherche quelque chose de sympa qu'on n'a pas déjà. Au bout d'un moment, en fait, c'est ce qui se pose comme problème. Parce que quand ils sont tout petits, bah, au début, ils ont rien. Et puis au fil des années, bah, ils commencent un peu à tout avoir. Et on a opté pour une plus grande piscine avec l'espoir qu'elle rentre. Aïna, t'as déjà ça toi à la maison de Mimi? Mais on en a déjà. Là on est rentré à la maison. Alors on a fait Action et on a fait au marché frais. Il est 15h déjà. Et je vais prendre un verre. Attendez 2 secondes. J'ai trop soif. En soi là il a fallu qu'on rentre parce que on est venu ranger les courses, mettre tout ce qu'il y avait au frais, etc. On voulait vraiment rien laisser en fait. Il fait vraiment trop chaud. J'avais peur que ce soit plus bon, mais vu que je vais tout ranger, je vais juste vous montrer ce qu'on a pris. Et donc là, on va dire que ça va être le premier retour de course et je vous en ferai un juste bah, après Carrefour aussi. Action, on a pris ça. Donc ça, c'est un... C'est quoi? Donc on a pris un tuyau d'arrosage, mais en fait, ça va être pour remplir la piscine. On a pris un truc comme ça. Ça va être pour couvrir la piscine. Et... C'est lourd. On a pris cette piscine. Peut-être qu'elle est trop grande, peut-être pas. On n'en sait rien en fait. J'espère que la taille ira parce que sinon j'avoue je serais trop triste. Ensuite on a pris Action. J'ai pris des diffuseurs de parfum comme ça. J'en ai pris 4. Ce sont pour mes belles-sœurs et la tante de Ali. Donc j'ai pris que des senteurs différentes. Ces gâteaux là, donc ce sont des transettos et des petits moins frais. Dans le Action j'ai été parce que le Action à côté de chez moi il le vend plus cher, là il est à 99 centimes. On a pris des mouchoirs comme ça. J'ai pris, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit spray, donc c'est pour nettoyer les tapis. J'ai pris 2 petits livres cailloux, donc ça je les ai pris pour mon neveu et j'ai pris des thèmes bah, qui lui correspondaient en fait en ce moment. Une recharge Airwick.
Et j'ai pris des lingettes comme ça. D'habitude, j'en prends, je prends celle-ci en rose. Ou alors, je prends le petit paquet bleu. Sauf que ça fait un moment qu'on n'en retrouve plus. Donc déjà, voilà pour ce qui est d'action. Maintenant, on va passer au marché frais. Alors, au marché frais, j'ai pris du saucisson comme ça. Des merguez que je vais tout de suite mettre au congèle. Des yaourts Yopa, donc avec un coulis de fraises. Ça a l'air vraiment très très bon. J'ai pris des petits suisses parce que j'en avais trop envie, que ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Qu'est-ce qu'on a pris? Des yaourts au chocolat, lait de vache. De la ciboulette coupée surgelée, ça c'est très très pratique. C'est un gain de temps. J'ai pris du blanc de poulet. Des steaks, du beurre. Donc celui-là c'est le prime vert bio. Des oignons hachés. En lessive, on a pris celui-là, Jardin des îles, fleurs de monnaie et vanille, des taches et des graisses avec des huiles essentielles. Donc nous avons 50 lavages et en fait on avait trop envie de tester quelque chose d'un peu plus, chose de plus particulier. Et je sais que ça c'est pas une senteur qu'on a souvent, donc pourquoi pas. Du liquide vaisselle, là honnêtement j'ai regardé vraiment le prix, j'ai pris le moins cher. Du thon. De la tulpe d'ail, donc ça c'est trop la vie, c'est trop pratique pour moi, c'est vraiment un gain de temps. Et à chaque fois j'en rachète là-bas. Pour terminer, des énormes patates douces. Donc on en a pris deux. Donc là j'ai déjà vidé deux sacs, enfin trois sacs. On va prendre le dernier sac. Hop. Ça c'est Ali qui a pris, je sais même pas ce que c'est. C'est du chou chinois, voilà, du chou chinois. Ça c'est, je sais pas, des oignons blancs, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah, des nuggets. Au niveau des fruits, là nous avons des prunes, des raisins, ça ce sont des petits jarabées pour les enfants. Et des cordons bleus. Donc voilà pour ce qui est de la première partie du retour de course. Là je range tout ça, je retourne aux courses, on va à Carrefour et puis je vous ferai le reste du retour de course. A few moments later. Bon, là on se retrouve un moment plus tard, ça y est, on est parti à Carrefour, on est rentré, on est éclaté. On a fait des courses toute la journée en soi. Alors je vais vous faire le petit retour. Donc déjà on a pris des œufs frais comme ça, on a pris une baguette pour ce soir. Ce soir, je pense qu'on va faire des tartines, une salade, hein, vraiment quelque chose de léger. Alors, c'est trop lourd pour soulever le sac, donc je vais me baisser pour l'instant. On a pris des oranges à jus, sans morée, des fines herbes à tartiner, de la mozzarella, des beignets de calamar, des minapolo. Deuxième semaine sous format-là, donc congelée. Mais en fait, la dernière fois, j'en ai mangé chez Amal, ma jumeau. Sauf que elle les faisait maison. Et en soi, elle avait mis du beurre et du miel. Franchement, c'était trop bon. Donc, je sais que ce sera pas aussi bon. Mais si ça se rapproche un petit peu, moi, ça me va. Ensuite, de la cire froide. Donc ça, c'est pour la moutaque. Des petites tomates cerises. Ça, nous, on en mange vraiment toute l'année. Des Mister Freeze. Sac poubelle, glace comme ça, franchement c'est les meilleurs. En plus moi si je prends souvent ce paquet là, c'est parce qu'il y a les comme ça là et il y a les comme ça, et c'est les deux que je préfère. Donc là c'est comblé. Du pain de mie, des pizzas surgelées au thon, des champignons, des frites surgelées. Ça c'est Ali qui a pris, c'est des balles céréalières. Et des compotes. Voilà. Nous, chez nous, ça carbure à ça. Donc. Ensuite, des pommes de terre. De la pastèque. Donc, on a pris que un petit bout, mais on n'est pas beaucoup. Donc, voilà. J'ai pris également un épilateur électrique. Donc, celui-là, c'est la marque Brand. Et en fait, plutôt que d'acheter de la cire tous les deux jours, hein, je me suis dit que j'allais passer à ça économiquement, ça va être mieux. Et je vais très très vite, je pense, le rentabiliser. Ma belle-sœur m'en a parlé récemment et moi, j'ai jamais testé. Faut pas être douillette apparemment, mais je trouve que c'est une très très bonne alternative. Donc, voilà.
de la semoule fine, de la samouraï, du chèvre, des petits pains grillés, encore des petits pains grillés, du jus innocent. Donc celui-là c'est pommes et framboises, c'est trop bon. Pour ma petite nièce, je lui ai pris une petite bricole comme ça, donc dedans nous avons des feuilles de décoloriage, de la peinture, une petite éponge et en soi un petit sac, ouais, voilà. Mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose et je voulais quand même me prendre un petit présent. Encore des mini Apollo. Mais c'est chaud le papier, il est ouvert. En ce moment, j'ai l'impression que c'est des papiers ouverts de ça. Des yaourts nature sucrée. C'est également ceux-là que je mets dans mes gâteaux. Des avocats. Et des bananes. Bon, voilà. Là, pour les retours de course, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'en suis ravie. Je vais aller ranger tout ça. Et ensuite, on va gonfler l'eau de piscine. Et on va voir si... Oh, mon chat, c'est un attaqueur de mouches. Vas-y, Mimi. Ton instinct, il est où? Vas-y, mon cœur. Oh, ben, la mouche, elle veut pas s'approcher. Elle est pas bête. Donc, oui, je vous disais, on va gonfler... Eh ben là, oh, t'es trop chaud, bébé. On va gonfler l'eau de piscine en espérant qu'elle rentre dans la terrasse. J'ai dit, allez, on va ouvrir tout proprement et tout. Comme ça, si jamais il faut se faire rembourser, je sais pas, peut-être qu'on pourra. Donc, voilà, je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve plus tard. Et je vous donnerai le verdict d'ailleurs pour la piscine. Bon, voilà, nous avons opté pour une piscine géante. Et comme vous le constatez, c'était pas assez grand. Mais c'est pas grave, ce sera un petit peu tordu là-bas. Mais on va quand même pouvoir profiter un petit peu. On pourra au moins rentrer tous dans la piscine. Voilà ce que ça donne. Là, on va mettre l'eau. Donc, on a l'arroseur qu'on a acheté tout à l'heure à Action. Bon, on se retrouve en fin de journée. J'ai commencé à monter le petit vlog d'aujourd'hui. Et là, je vais terminer le montage. Ensuite, je vais aller me coucher. Comme ça, Inch'Allah, demain, je me lève tôt. Demain, c'est la Eid. J'aimerais bien me lever, prendre une bonne douche et me préparer tranquillement. Ainsi que préparer des petits gâteaux ou quoi demain matin. Les filles font déjà dodo. Mais c'est très bien qu'elles récupèrent un rythme correct. Parce que ces derniers temps, on n'y était pas du tout. Donc là, je suis contente. Elles sont en train de faire dodo. Autrement, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors aujourd'hui, j'ai pas énormément vlogué. Je vous ai vraiment plus fait des retours de course qu'autre chose. Mais ce n'est pas bien grave. Comme ça, ce sera vraiment une vidéo retour de course finalement. Et je vous retrouve demain pour la journée de l'Aïd. Donc pour vous, ce sera le lendemain de l'Aïd. Mais du coup, n'hésitez pas à venir voir comment est-ce que moi j'aurais passé ma petite journée. Et je vous fais de très très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite pour une prochaine vidéo.